Bonsoir, bienvenue dans votre édition France 3 Pays Catalan. L'Opéra Mossette fête cette année ses 10 ans et propose La Belle Hélène de Jacques Offenbach. Sur scène, une quarantaine de choristes amateurs venus de tout le département. L'Opéra Mossette fête cette année ses 10 ans et propose La Belle Hélène. Sur scène, une quarantaine de choristes amateurs et parmi eux, les membres de la famille Gironès, tous passionnés de chant, des petits-enfants aux grands-parents. À la nuit tombée, la représentation commence. Sur scène, les chanteurs professionnels côtoient les choristes amateurs venus de tout le département. Certains participent à l'Opéra Mossette pour la première fois. D'autres étaient là dès le début, il y a 10 ans, comme la famille Gironès. On est très unis, on est une famille très unie, donc c'est ce qui permet aussi d'être tous ensemble tout le temps. J'aime bien faire comme eux. Des fois, ils ont le temps et ils me regardent faire mon rôle et moi j'aime bien. Chez les Gironès, certains chantent, d'autres sont figurants, placiers ou photographes. Pour ce spectacle, ils se sont préparés pendant un an, des sacrifices qui en valent la peine. C'est un peu difficile, hein. En plus les filles travaillent, donc il faut jongler entre le travail. L'une arrive à 7h30, elle n'est pas prête pour le maquillage, etc. Mais bon, on gère. Amour divin. Ce qu'on ressent quand les choristes arrivent, les solistes sont là, les musiciens, et que le spectacle se met en place, c'est un moment merveilleux. Et le public aussi est conquis. 2 heures de spectacle plus tard, c'est un triomphe. Il y a encore 5 représentations programmées d'ici la fin de la semaine.